Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, infectés, non affectés, c'est bad news. Bienvenue dans Bad News spécial confinement. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de confinés. Je vous rappelle que je ne vérifie pas mes sources. On commence tout de suite avec la vidéo de l'inconnu médical. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer? Bidou bidou, bidou bidou. Ah. Trente-sept six, ça va. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être... Merci à LL et P et Louis. Et je rappelle juste aux gens que l'inconnu médical m'a dit, je ne veux pas que mon nom soit cité, mais il était en pause lorsqu'il a fait cette vidéo. Il regardait Bad News et il a décidé de danser. Mais voilà, ce n'est pas un feignant à l'hôpital. Merci à toi de risquer ta vie pour nous. Voilà. En bref, de Mélanie. Oh, c'est une en bref très rapide. Je vais juste vous montrer une vidéo. C'est un homme qui est fan, a priori très très fan, de sa voiture. Et il a décidé de profiter du confinement pour faire des photos de sa caisse sur une voie rapide de l'autoroute. Voilà. Tranquille le mec, pépouze. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer? Je ne sais pas. On passe à la bad news du jour et c'est la bad news de Maël. Nous sommes en confinement. Et je vous rappelle qu'en confinement, on n'a pas le droit de faire des apéros. Voilà, juste, c'est pour un petit message à mon voisin. Sans déconner. Sans déconner. Oui, ils sont toujours là. Oui, c'est la bonne adresse. Oui, merci. Merci, la Waffen-SS. Je vais les mater jusqu'à 20h pour voir s'ils applaudissent. Voir s'ils ont pas honte ou je sais pas. Oui, ils sont toujours là. Ça commence à applaudir. Ça commence à applaudir. Ils n'applaudissent pas. S'ils applaudissent comme des connards et ils rient. Je crois qu'ils sont un peu fiers d'être dehors et de prendre l'apéro. Je crois que ça les fait marrer. Un homme prenait l'apéritif chez ses voisins. Donc déjà, pendant le confinement, il est un peu hors la loi, j'ai envie de dire. Quand, tout à coup, à 20h, des applaudissements se font tout autour de chez lui. Et le gars, un chouïa alcoolisé, est vénère et demande aux gens d'arrêter d'applaudir. Les gens n'arrêtent pas d'applaudir. Alors qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Bah il retourne chez lui, il prend sa carabine et il la pointe sur son voisin d'en face et lui dit « Mais non, t'arrêtes !» Bon, il n'a pas tiré, heureusement. Il a été interpellé par la police et mis en garde à vue. Voilà. Que dire? Calmez-vous, putain. Calmez-vous. Merci à tous. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer